J'espère que tu te portes bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se préparer ensemble. Tu sais, j'aime bien préparer mes journées en me maquillant, en me coiffant. Bref, j'aime bien prendre soin de moi. C'est très important de prendre soin de nous. Nous, les femmes surtout, on prend soin des autres, on a du temps pour les autres, mais très rarement on a du temps pour nous. Alors que pour donner, pour que nos services envers les autres soient très efficaces, ben, on doit d'abord se sentir bien. Et qu'est-ce qui te fait sentir bien? Fais ce qui te fait sentir bien, prends soin de toi et voilà quoi. En cela, tu pourras être meilleur pour les autres. Donc moi, ce qui me fait me sentir bien, d'abord la prière, voilà, ça, je pense que c'est tout le monde pratiquement. Mais en dehors de ça, j'aime bien prendre soin de moi, me maquiller, me coiffer et puis affronter la journée. Donc là, je te montre comment je me suis maquillée pour affronter cette journée. C'est comme si c'était un combat, quoi. Non, mais je te montre juste comment je me suis maquillée. J'avais envie de te filmer ça. J'espère que ça te plaît, ce genre de vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et là, je te laisse avec la suite. Bye. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et on va se préparer ensemble. Nous sommes pas. Je sais plus. Bref, c'est pas important. On se prépare. Je dois emmener Ruben au sport et... Comme tu sais, j'aime toujours me préparer pour la journée. Je sais pas, ça me met dans un bon mood quand je suis toute prête, toute fraîche, toute... Bref, on va se préparer grâce. Arrête de beaucoup blablater. Aujourd'hui, je vais utiliser ce fluide teinté de... Comment ça s'appelle? De Maybelline. Je l'ai en teinte 63, voilà. Le Super Stay de Maybelline 24 Hour Skin Tint. Je l'aime beaucoup parce qu'il est assez léger. C'est vrai que si tu as beaucoup d'imperfections, c'est pas... Je suis désolée si tu entends du bruit. Attends, je pense que je ferme la fenêtre. J'espère que là, c'est mieux. J'ai des voisins qui ont mis la musique, je pense, pour tout le quartier. Je sais pas pourquoi. Oh. J'allais mettre la base. Ouais, je vais mettre la base. Et je fais tout tomber. Grâce. Je vais mettre cette base de NYX. Je vais mettre cette base de NYX. La Professional. La Shine Killer. Ça tue le shine. Oups. Regarde la quantité que j'ai prise. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Et malheureusement, avec le packaging, tu peux pas. Avec ce genre de packaging, tu peux pas remettre quoi. Oh. Là, c'est du gaspillage de produits, ça. Donc je disais, aujourd'hui, je vais avec Ruben au sport. Avoir des enfants, les déposer au sport, sincèrement, c'est... Il faut avoir de la volonté, sincèrement. Surtout pour des gens comme nous qui n'aimons pas sortir. Je n'aime pas, j'aime quand je suis à la maison, sincèrement. Sortir pour moi, c'est affronter la foule. On dirait pas, mais pour moi, affronter la foule, c'est un vrai défi. Chaque fois que je dois sortir, je suis... Je sais pas comment expliquer ça, mais chaque fois que je dois sortir, je veux pas dire que j'ai peur de la foule. Mais quand je suis dans la foule, je sais pas, je ne supporte pas la foule. Je supporte pas la foule. Et même quand je vais à l'église, en fait, c'est compliqué. Et pourtant, je parle devant une caméra. Mon petit frère me disait, la majorité des gens qui parlent devant une caméra sont timides. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à se faire des amis dans la vraie vie. C'est vrai, peut-être. Ensuite, comme anti-cerne, je vais utiliser celui-ci de Adventure Makeup. Je l'ai acheté au marché ici. Il est quand même assez sombre. Assez sombre. Oups. Je l'ai en teinte 05. Je sais pas si on peut le retrouver sur Amazon. J'ai pas pris le petit pinceau. Oh, grâce. C'est pas grave.
Ensuite, on va passer à la poudre. Cet anti-cerne, je l'aime bien parce qu'il n'est pas assez couvrant, mais il est assez hydratant, je trouve, et il ne file pas trop. Et voilà. Et on passe à la poudre. J'utilise ma poudre MAC que j'ai en teinte NC45. Ouais, c'est ça. Ensuite, toujours mon grand pinceau qui commence à perdre ses poils. Ça fait quand même longtemps que je l'ai, donc il a bien résisté. Voilà, c'est fait. Sincèrement, quand je sors, si c'est pas pour aller à l'église, mon maquillage, il est souvent très très léger. Je vais mettre le blush de Glam Up qu'on retrouve sur Amazon, of course. Comme je t'ai dit, quand je sors, j'ai pas besoin que mon maquillage soit vraiment vraiment prononcé. Tu vois, juste un teint bien uniforme. Un teint uniforme et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, un teint bien uniforme, c'est surtout ça. Et puis voilà. Là, je mets mon bronzer de chez Makeup Revolution. Celui-ci. Celui-ci que j'avais acheté chez Normal et que j'aime beaucoup. Ensuite, je vais rajouter un peu de mon contour. J'aime bien structurer mon visage juste légèrement. Quelque chose d'assez léger. Et au niveau de mes yeux, je vais utiliser comme palette celle-ci de W7 que j'avais prise chez Normal aussi. Elle se présente, attendez, elle se présente comme ceci. Ce sont des couleurs neutres et ce que j'aime, c'est que les lumineux sont des couleurs assez crémeuses. Et voilà, c'est surtout les lumineux qui ont... Ça a une texture crémeuse, c'est vraiment crémeux. Surtout quand tu appliques au doigt, ne fais pas attention à mes ongles. Surtout quand tu appliques au doigt, en fait, ça, c'est tellement crémeux, c'est vraiment... C'est beau au toucher. On va aller sur quelque chose vraiment... assez naturel. J'aime bien les teintes marronnées. C'est peut-être parce que... Mais... Les couleurs mates sont très très poudreuses. Que je te rapproche quand même peut-être. C'est bon comme ça. Tu ne vois peut-être pas la couleur. Mais c'est assez pigmenté, sincèrement. Ça va. C'est pas très très pigmenté, mais ça va. On va pas se plaindre. C'est une palette qui coûte moins de 10€. Ensuite, je vais mettre un marron un peu plus foncé. Toujours avec le même pinceau. J'espère que ça pourra... On ne sent pas trop la différence. Bon, on ne sent pas trop la différence. C'est bizarre ça. Pourtant, attends, je vais essayer de swatcher. Ah ouais. C'est ça en fait. Cette palette, je trouve que les mattes ne sont pas exceptionnelles. Mais les lumineux sont vraiment vraiment beaux quoi. Surtout la texture des lumineux, elle est vraiment belle, la texture très crémeux au toucher. Tu vois, là j'ai l'impression d'avoir mis la même couleur. Je pense que je vais prendre un peu de mon... attends,
Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre un peu de mon bronzer que je vais mettre. Il y a des gens qui provoquent mon chat. Je vais mettre un peu de mon bronzer au niveau du coin externe. J'espère que ça pourra faire une petite différence. Bon, pas trop. Mais pas trop. Je vais prendre plutôt le contour. Et je vais faire comme un liner. Bon, je serai obligée de regarder le retour caméra. J'ai oublié. J'ai pas mis de couleur lumineuse au niveau de ma paupière mobile. Je vais prendre. J'espère qu'avec ce pinceau, ça ira. Vous voyez comment les lumineux sont hyper lumineux. Sincèrement, le setup il n'est pas top. Et je trouve qu'avec ce pinceau, ça prélève pas trop bien. Donc, j'ai une chute. Et comme j'ai pas vraiment poudré mon teint, ah, ça s'est enlevé. Oh Dieu merci. Oh Dieu merci. Voilà, au niveau du ras des cils, j'ai mis aussi le bronzer du ras des cils. J'ai mis aussi le bronzer. Ensuite, je passe comme mascara le Lash Sensational Sky Eye de Maybelline. C'est un mascara que j'aime assez. Il me donne pas des cils exceptionnels comme le Sephora. Ah, le Sephora. J'ai le Sephora normalement. Qui donne des longs cils. Mais vraiment des longs cils. Mais j'ai pas envie de l'ouvrir. Parce que j'ai beaucoup de mascara ouvert ces derniers. J'ai beaucoup de mascara ouvert en ce moment plutôt. Mes voisins qui avaient mis la musique ont arrêté de voir à Dieu. Ensuite, je passe au contour des lèvres. C'est de la marque Wood Lip Liner. C'est pas le meilleur contour des lèvres. Il n'est pas très crémeux. Il n'est pas trop sec, mais à mon goût, il est un peu sec, quoi. Moi, j'aime quand le contour est très crémeux. C'est pas cette couleur que je voulais mettre. Non. Je suis pas satisfaite. C'est pas cette couleur que je voulais. Et je vais mettre ce lip gloss de la marque Essence, le Pump Plumping, Extreme Plumping de la marque Essence. Je ne sais pas s'il plump vraiment, j'ai déjà des lèvres plumpées, je trouve. Donc je ne saurais te dire s'il plump vraiment, tout ce que je peux te dire c'est qu'il picote. Pour picoter, il picote. Maintenant pour plumper, je ne sais pas s'il plump. Mais j'aime beaucoup. Finalement, ça passe. Le spray fixateur. Bon, voici donc le résultat à venir. J'aime trop. Voilà, simple, mais efficace. Prête à aller affronter la foule de l'extérieur, oui. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien. Bye bye.